Non, pas moi, c'est Schneider Boutis. Et je vais juste dire que je suis mon essai là pour le moment là parce que je me fais ici, je me lève ici. Et ça que je fais pour l'activité pour le moment là, c'est le taxi moto qui me fait pour vivre. Je grandis dans la province qui est le Barahona. Je ne sais pas si je fais des difficultés dans l'école parce que je suis un mouvement raciste et je ne sais pas si je suis un peu de gens. Mais quitte l'école, je suis toujours parlé en créole là, même si je ne sais pas si je Mais c'est un moment qui était très difficile pour moi. La première fois que je suis allé à Haïti, c'est une fois que je suis allé dans une autre province avec ma maman, que je suis allé à Vonne. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'aller, non, c'est un moment qui était en déportation. J'ai juste choisi pour moi et j'ai été déporté, mais ça, c'était sur l'Espigna. Moi, c'est qu'il avait un peu de sauté. Et ça qui fait un moment là, je suis illégal, c'est que. Et pour me renouveler la résidence, c'est vraiment difficile parce que je demande un pile de documents. Et pour me faire passeport, pour me renouveler la résidence, c'est vraiment difficile. Pour chaque année, ou bien pour chaque mois, pour me renouveler la résidence, il faut me payer 4500 pesos par rapport à l'autre papier que je vais chercher dans l'avocat avec l'autre bureau. D'abord, je suis raciste que je suis de l'île, car je suis dans. Et par rapport au côté que m'a fait taxi moto. Et. Je change que le président est venu à côté de la taxi. Et l'État a des séries de 4 conseils juste aide qu'on a payé pour le mototaxi. Et le président et parlé à côté de la mototaxi. Il a même été choisi de payer les gens qui dominicains. Nous-mêmes, haïtiens, pas de banon. Et l'autre monde qui était au contrôle par là lui-même. Et il a juste choisi de parler mal avec nous. Il a dit bon, nous-mêmes, nous pas même des documents pour qu'il s'appelle juste banon ça. Non, la situation qui est meilleure, ce n'est pas moi qui choisis là-dedans. C'est que ce n'est pas nous-mêmes comme nation qui est illégale dans le pays République dominicaine. Alors, il y a des Dominicains qui sont illégaux dans le Chili, il y a des Dominicains qui sont illégaux à Porto Rico, il y a des Dominicains qui sont illégaux aux États-Unis. C'est comme ça tout, et ce n'est pas eux-mêmes qui ont choisi dans la situation qui est meilleure. C'est même gens nous-mêmes qui viennent chercher la vie meilleure là, c'est comme ça eux-mêmes qui cherchent la vie meilleure dans l'autre pays. Oui, mais j'espère qu'un jour m'appelle légal, c'est que ça qui est dans ce moment-là, c'est plus passeport. Parce que c'est pièce ça qui est plus besoin, c'est pièce ça qui fait me prendre plus de temps pour me faire légal ici.